flotte navale de Napoléon à la bataille de Trafalgar. Ils ont battu la flotte française, mais ils ne sont pas restés indemnes puisque leur amiral, qui était l'amiral Nelson, est mort d'un boulet de canon tiré par un gars de Calais. Donc, je connais pas son nom, on m'a dit qu'il était de Calais. Et l'amiral Nelson mort, qu'est-ce qu'on allait faire du corps? Quand c'est un simple matelot, on le balance à la mer, il est mangé par les poissons. Mais un amiral, surtout l'amiral Nelson, il fallait le ramener à la maison. Donc ils ont trouvé comme moyen, pour le conserver, de le mettre dans un tonneau de brandy. Donc il était recouvert par le brandy, en se disant, de cette façon-là, il sera impeccable en arrivant en Angleterre. Malheureusement, les marins anglais avaient soif de temps en temps, ils tiraient un petit coup de brandy et buvaient ce qu'ils appelaient un verre du sang de Nelson. A drop of Nelson's blood. Oh, a drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. A drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. A drop of Nelson's blood wouldn't do us any harm. And we all hang on the line. And we'll roar the horn, chariot along, we'll roar the horn, chariot along, we'll roar the horn, chariot along, and we all hang on behind. Oh, a little mug of beer wouldn't do us any harm. A little mug of beer wouldn't do us any harm. A little mug of beer wouldn't do us any harm. And we all hang on behind. Not the way.